Alors, j'ai eu la chance, très jeune, de vivre dans un milieu musique. Alors, mes parents écoutaient beaucoup de musique et j'ai toujours été un amoureux de la musique, particulièrement de la musique baroque, de la musique ancienne. Et un jour, un ami m'a parlé du studio de musique ancienne, ça fait certainement au moins 25 ans. Et je me souviens, j'étais à l'église Saint-Sacrement, où il y avait une prestation sur Claudio Monteverdi. Et j'avais vécu un frisson esthétique fabuleux. Et depuis, je suis devenu un abonné, un fidèle abonné. Moi, je vois cette musique comme ma vie spirituelle, qui en fait est en contraste avec ma vie matérielle, puisque je travaille avec des éléments de haute technologie, je travaille avec des matériaux très évolués, des procédés de mise en forme technique. Et tout à coup, cette musique vient me replacer dans le genre humain, avec cette satisfaction de vivre une belle plénitude. C'est un refuge, en fait, un refuge affectif, je dirais. C'est ma messe. Alors, pour finir, j'aimerais souhaiter un super 40e anniversaire au studio.